Hey, salut les gamers et les gamers, Toxy, et aujourd'hui, ben, on se retrouve encore pour un petit live sur Black Ops, en recherche sur Array, je sais pas quoi, Array. Voilà, donc, pareil, en compagnie de quelques membres de la team, donc Helium, Magnésium et Sodium. Salut les gens. Salut tout le monde. Salut les gamers, salut les gameuses. C'est un peu ton boulot, mais bon. Ouais. Alors, c'est bon, moi c'est un chargement. Vous jouez là ou pas? Oui, là, je suis en train de choisir ma classe. Ok, donc au menu du jour, je vais parler des snipers sur Black Ops comparé aux autres, des modes objectifs sur Black Ops, et un petit comparatif des casques, enfin un comparatif. Je vais demander en fait votre avis au niveau des casques, si vous avez un casque, etc. Donc je commence. Alors, ouais, j'ai du monde, les mecs. Venez, bâtiment central, ils sont trois. J'arrive. Ça urge. D'accord. Ça va être chaud en recherche de faire un live. Hein. Je crois qu'ils sont morts, non? Ah, les deux sont morts. Parfait. La bombe est dans le bâtiment central, dans le souterrain. Donc, oui, alors, je voulais parler des snipes sur Black Ops. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais passe-passe ou pas, le snipe vise à la même vitesse. Donc, déjà, moi, je trouve ça bête. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je trouve ça un peu bête. Sinon, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, les flashcopes, les quickscopes rentrent moins bien que sur les autres Call of Duty. Pourquoi? Je sais pas. Ah, il est au fond de son spawn, dans les bois. Okay. Ah, c'est fou. Fumigène paralysé. Je ne rentre pas dedans. Ah, il est Python Akimbo, les mecs. Son snipe lui sert de... Oh, il m'a cut. Mince. Donc, voilà, je pose une question. Pourquoi sur Black Ops les snipes, les flashcopes et quickscopes rentrent moins bien que sur les autres? À mon avis, c'est parce que ils ont vu qu'il y avait peut-être trop de snipes sur MW2, MW1, quoi. Parce que tout le monde joue à ça et du coup, pour certains modes objectifs, ça a pourrissé le jeu, quoi. Admettons domination sur MW2 où il y a des lance-grenades ou des UMP ou des gens qui font des killfeeds. Il y a que ça. Il n'y a pas de gens qui vont jouer l'objectif style genre admettons. Un mec qui va jouer Stinger et qui va faire que prendre des objectifs et bien sûr tuer les ennemis qui croisent, quoi. Alors que sur Black Ops, comme il y a beaucoup moins de snipes et beaucoup plus d'armes équilibrées, il y a certains gens qui peuvent se permettre de prendre des objectifs et d'autres non. Et moi, ce truc, c'est bien. Il y en a un qui repasse dans le souterrain. Okay. Il va même arriver... D'accord. Bon, je l'ai pas eu, mais bon, c'est bon. On m'a bon. Flashé. Là, ils sont dans leur spawn. Hein. Dans leur spawn, d'accord. Dans les bois? Oui, dans les bois, là. Il faudrait que je fasse au moins un kilo snipe pour... Moi, je me suis pris un hit marker. Ah. Je me concentre. À côté de la tour. Où dans la, ouais, dans le, il y en a dans le bâtiment. Ouais, il est juste en place. Voilà. Tu l'as vu, la vidéo. Je l'ai eu. Donc, vous voyez, j'ai bien pris mon temps de visée. J'aurais pu faire peut-être un flash cop, mais ça aurait fait prendre des risques étant donné que... Ah. Oh, je me fais tirer dessus. Vous le voyez ou pas? Ouais, au fond. Ouais, mais moi, ce que je trouve dommage sur Black Ops, c'est voilà, qu'il n'y a pas d'atout, genre, comme dans MW3, bonne gâchette, pour viser plus rapide, pour que... Ouais, les... au pire, ils auraient mis bonne gâchette juste pour les snipes, ça aurait été sympa, quoi. Ouais. Ouais. Parce que vous voyez, j'ai mis tour de passe-passe, mais j'aurais mis visée solide, ça aurait visé pareil. En fait, le truc, c'est que ça vise vite, mais... Ah, d'accord. Il est où? Je vais me montrer quelques secondes. Ah, Léo, puis-je me permettre une question au gamer? Vas-y, parle. J'aimerais bien savoir votre avis pour les snipes sur Black Ops, pour ce que vous en pensez par rapport s'ils devraient mettre bonne gâchette pour viser plus rapide, ou votre avis. De toute façon, maintenant, ils peuvent plus le mettre, ils peuvent pas faire de patch, mais... Peut-être sur le 2. Ouais, comment il va s'appeler déjà? Ouais, un truc bizarre, Black Ops 2 et... Iron, je sais quoi. Iron Wolf, le loup d'acier. Ouais, le loup d'acier, c'est ça? Ouais, ouais, Iron Wolf. Ouais, bah, vous allez l'acheter, vous, ou pas? J'avais dit non au début, mais bon, Call of Duty, on peut pas s'en passer, j'ai envie de dire. On est des Call of Addicts. Je l'ai testé, quoi. Moi, je joue à Call of Duty depuis Modern Warfare 2. Donc, ça fait pas vraiment longtemps, ça fait 3-4 ans, quoi. Y a qui de la team qui... Ah, merci d'avoir pété la fenêtre. Y a qui de la team qui joue depuis Code 4? Kevin. Ouais, Kevin de son DG. GG Nozone, il joue depuis Code 4.
Donc depuis que le ligne existe, quoi. Moi j'ai commencé sur Modern Warfare 1. Ouais, Code 4, quoi. Ouais. Et World at War. Ouais. Allez. Moi j'ai commencé... Je crois que j'ai rentré un Quick Scope, je sais pas trop, entre Quick et le Hard. Moi j'ai commencé sur Black Ops. C'est d'ailleurs dans l'une de mes premières parties que j'ai commencé à vous rencontrer, hein, la GGN. C'était dans tes premières parties que t'as commencé, ouais, à... T'es sûr? Ouais. Ah, mais il y a un campeur au fond de la map, je l'ai mis marqueur. Je crois qu'il est dans le coin, ouais. Moi, je suis pas, ça fait un certain moment que je suis dans la... Ah, apparemment, il y en a un là. Il est en haut de la côte, je crois, non? Attends, je vais te dire. Tu l'as tué, l'autre? Ouais, derrière celui qui campait, oui. Mais il y en avait un là. Je crois qu'il a dû tracer sa route. Ça se trouve, il a tracé, il veut rentrer dans la maison. C'est quoi le lance-roquette que j'ai entendu? C'est sodium. Sodium. Je me la joue en barbare. En bas, je me la joue en kamikaze. Ouais, ben quand même, ça fait déjà 2, on gagne 2-0. Quelqu'un s'est fait cut dans la maison, sodium. Mais la sauce, c'est fail. Putain, il est fou. Regardez-le. Ouais, sodium à droite. À droite, voilà. Vers là. Ah, derrière. Ah, il est en haut. J'y vais ou... Oh, voilà, il est avec la headfail. Il campe là, non? Vers là-haut, là. Fantôme. Enfin, il campe. Bah, là où je suis mort, en fait. Ouais, où il y avait la tête de mort. Attends, je fais start. On voit plus. Eh, Léo, que ça... Il est juste en bas. Petit 3-6 trick shot, ou quoi? Yeah. Ah, dommage. Mince. Bon, bah, tant pis. Ah, il m'avait gaulé. En plus, impact lourd, à mon avis, il a dû tirer à travers. Léo. Ouais, donc... Un petit peu, ouais. Donc? Donc, Léo, toi, tu joues avec un casque Turtle Beach spécial. Ah oui, donc, spécial. Pour parler des casques, moi, je joue avec le Turtle Beach Foxtrot. C'est celui qui est sorti en même temps que MW3, donc c'est une édition limitée MW3. Je l'ai payé 100€ au lieu de 150. C'est un 5.1. Donc, c'est plutôt pas mal. Yo, tu joues avec quoi, toi? Enfin, Yo, c'est Léo. Turtle Beach P11 Air Force. Mais je pense que je vais, comme dans les magasins près de chez moi, il y en a encore, je pense que je vais aller m'en acheter un comme toi. Parce que le mien, il fait pas basse, et pour entendre bien les pas, on entend les pas, mais moins bien. Ouais, c'est un 2.1, tiens. Drone brouilleur, rusher comme des porcs. Hein. Bah alors, Johan? Ah ouais. Je t'ai déjà fait stop. Il campe, voilà, là, tu l'as vu, voilà. Non, je l'ai pas vu. Ah si, d'accord. Tu sais quoi, je vais monter. Ah, on est brouillé. Ouais. Eh, je rentre à nos scopes. Même pas. Bon, bah, morcé. Mais c'est des fous. Allez, ah oui. La double feed. Ah non. La double feed, peut-être. Magnésium. Ouais, donc, pour moi, franchement. Mais si je vous laisse casque, parler, je suis concentré, moi. Pour moi, franchement, un casque, c'est très utile. Surtout pour les modes recherche, où il faut bien être attentif quand on est le dernier en vie. Ah, tu l'as vu sur ton capteur. Il va désamorcer, Léo. Bien joué, Quick. Oh. Merci. Connard. Ça fait plaisir d'en rentrer. Je crois qu'il est dans le bâtiment, non? Ouais, j'ai gagné. Vers la bombe. Ah, bon, bah voilà. J'avais cru avoir tiré dessus, mais non, bon, c'est pas grave, victoire quand même. Et Léo, donc voilà, pour info, donc j'ai mis Ninja pour les déplacements silencieux. Oui, Kifia. Ouais, mais j'allais te dire, tu mettais quoi comme atout sur ton snipe? Ouais, fantôme, passe-passe et Ninja. Donc Ninja pour les déplacements silencieux. Comme ça, dès que j'entends un ennemi, j'ai beau être debout pour pouvoir le viser de loin et tout, j'ai beau être debout, je l'entends bien, quoi, étant donné que moi je m'entends pas. Ah. Et en pro, ça fait que les ennemis, on les entend plus fort, je crois, justement. Sur MW3, je crois que c'est rapport pour les entendre plus fort. Ouais, mais rapport. Aïe, aïe, aïe. Ah, il jouait l'objectif, mais je crois. C'est silence de mort le mieux. Silence de mort, c'est pour que nous, on ne s'entende pas. Vas-y, Johan, je te regarde. C'est pour que nous, on ne s'entende pas. Et fais gaffe, c'est un G11. Impact lourd, donc... Je vais essayer de... Il va passer de... à droite, là, sans doute. Je t'attends. Vas-y, suis-le. T'as des paras? J'en ai plus. Ah. Va prendre la bombe, sodium. Ah bah, c'est bon. GG, Johan. Je me mets sur sodium un petit peu. Bon, moi, pour info, je joue poids plume, passe-passe, marathon, pour être toujours toi, actif. Tu rushes comme un pâté, quoi. Pour être toujours actif.
Merde. Ouais, non, moi je suis plutôt discret. Oh, attention. Oh, Johan, tu t'es pris un hitmarker ou pas? Non. Non, même pas. Il est sur la grue. Ah, ben. Parfait, les mecs, c'est une victoire. Bon, ben. Victoire, je fais du 5-4 au snipe. Johan aussi. Et pour, Manizum, tu joues avec quoi, toi? Moi je joue. Dernière question pour les gamers. Est-ce que ça vous trouve. Ça sert à vous, les casques? Ça vous rend utile? Bah, je pense qu'ils vont tous répondre oui, hein, ceux qui en ont. Hein. Bah, simplement. Bon, bah alors, bah, moi je vous dis ciao, hein, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, bah, pareil, d'aimer, de vous abonner, machin, tralala. Donc, ciao et merci d'avoir regardé la vidéo. À ciao plus, les et gamers! Puis, bah, Relais Gamer, avez-vous déjà vu GGN dioxygène au sniper? Ça donne ça.